Surprise! Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas? Pourquoi est-ce que tu pleures encore? Souris. Souris, ma belle. Allez, souris. Souris, Panty. Vas-tu sourire ou devrais-je? Vas-tu sourire? Les émotions ne peuvent être contrôlées, Monsieur JD. Je contrôle les miennes depuis que je t'ai acheté. Les émotions ne peuvent être achetées, Monsieur JD. Qu'as-tu dit? Tu viens tout juste de dire une citation vraiment très très intéressante. Qui m'est passée par-dessus. Je n'ai rien compris du tout. Les émotions achetées, c'était quelque chose de ce genre. Quoi? Que disais-tu exactement, hein? Oh, ma pauvre Panky. Je passe mon temps à te forcer à être moi, pas vrai? Je suis vraiment méchant, pas vrai? Va. Prépare-toi. Tes désirs seront des ordres. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux montrer certaines choses au lieu de les expliquer. Vas-y, ma belle. Va te préparer. Je vais t'attendre. La Rockstar. Tu descends? Hey. Hey, loser. Je suis allé aux États-Unis pour quelques jours et t'as transformé mon frère en ermite. Hey, Vikram, ça va? Je vais mieux que toi. Vikram. Du calme, frangin. Allez, dis-moi, qui est-elle? Est-ce que tu l'as vue à ton concert? Eh bien, en fait, l'indésirable, je t'avais pas bloqué. Chut. Non, Panky est... Panky? Ça n'a pas un rapport avec le titre de ton concert? En indie, Panky, ça veut dire phrase. Kairam l'a dit. Vous avez une connexion. Elle doit être très sensuelle. Voilà pourquoi tu es dans cet état. Non, non. Elle a autant de présence que Soufiana. Elle a des yeux en amande. Son visage est semblable à la lune qui éclaire le désert. C'est ça. Tu peux lui dire aussi qu'elle te laisse toujours tomber.
et que si tu es toujours blessé en ce moment, c'est à cause d'elle. Parle-lui de ça. Dis-le-lui donc. Ça veut dire bagarre et tout ? Anne, tu as vraiment pris un autre chemin. Mon frère, quand elle est partie de Mahabaleshwar, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle emportait une partie de moi. Oh, oh. Mon frère, t'as attrapé une maladie mortelle. Et on ne peut plus rien y faire. Quelle maladie ? C'est la même que j'attrape toutes les deux semaines. Tu veux savoir ? Attends un peu, je crois que je sais. Se sentir fébrile, avoir le cœur qui bat la chamade, et penser à elle tout le temps. Ça ne veut dire qu'une seule chose. Je suis amoureux. Oui, je suis amoureux. Vikram, je suis amoureux. Uday, je suis amoureux, mon frère. Arrête, ne t'agite pas autant. Tu sais bien qu'elle attire les ennuis. Mais tais-toi, le fou. Personne ne t'aimera jamais. Laisse-le être amoureux. Exactement, Uday. Je le sais très bien. Si jamais je vais vers Pankti, je vais vers les ennuis. Mais tout ça me rendra vraiment heureux. Le genre de bonheur que je ne trouverai ni dans la réussite ni dans le confort. Tu sais pourquoi ? C'est parce que j'aime Pankti. J'aime Pankti ! J'aime Pankti ! Magnifique. Je ne t'avais jamais vu habillée ainsi avant. Vous n'aimez pas ce genre de tenue ? C'est pour ça. C'est pour ça que tu le portes ? Non. C'est pour ça que je ne l'avais jamais mise. Mais vous m'avez demandé de porter ce que je voulais. Alors je l'ai mise. D'accord. Cela signifie que si tu as la permission, alors tu passeras ton temps à faire ce qui me déplaît. Je pensais que tu serais plus docile après avoir obtenu ta liberté. Mais tu as commencé à te rebeller. On y va ? Où ça ? Te faire boire un produit toxique. Poison Ivy. C'est un nouveau pub. Allez, allons-y. Vikram, y a-t-il un moment précis dans ta vie durant lequel tu as été sûr que tes sentiments pour Richa étaient vraiment de l'amour ? Ouais. Eh bien, il y a eu ce moment pour Ria. Avec Payal aussi. Et Nidhi aussi. Et puis, tu t'en doutes bien, je l'ai eu avec Johanna. Ça signifie que tu ressens donc d'abord de l'amour avant de t'en rendre compte après, c'est ça ? Alors pourquoi est-ce que tu épouses Richa ? Anne, c'est parce qu'avec Richa, je me sens moins triste. Tu sais, je ne peux pas être avec une autre fille qu'elle. Tu te sens triste ? Oui, Anne. En fait, la vérité, c'est que t'as plusieurs options. Mais on t'en impose qu'une seule, pour toute la vie. Quand on parle du loup... Hé, bébé, quoi de neuf ? Je
Je disais à l'instant à mon cousin à quel point je suis tellement heureux que le mariage nous réunisse toute notre vie. Quoi ? Maintenant ? Ok bébé, à plus tard. Viens, on part faire un tour. Où ça ? Eh bien, on va rencontrer ma copine au nouveau pub. Allez, lève-toi. Et Richa n'est toujours pas là ? Pas encore. Papa ? Qu'est-ce que papa fait ici ? Mon oncle est ici. Vu qu'il est dans ce club, il n'est sûrement pas seul. Avec qui il pourrait être ? Personne ne doit venir ici. Bien, monsieur. C'est compris ? C'est compris, monsieur. Faut sourire. On va s'amuser. Es-tu aveugle ? Désolé, monsieur. Es-tu aveugle ? Je l'ai vu. L'ai-je fait tomber ? Ma belle ? Les personnes bonnes à rien dans leur vie deviennent serveuses. Et celles qui ne peuvent pas l'être n'ont même pas le droit de vivre. Dis-moi une chose. S'il arrive que tu tombes plus bas que tu ne l'es déjà. Je veux dire, si tu danses quelque part, ou si tu te mettais à vivre de l'argent d'un homme très riche. Pas vrai ? Ma belle. Je suis vraiment désolée, je vais nettoyer tout de suite. Ma belle, est-ce que tu as soif ? Je l'ai décidé. Alors tu as soif. Bois de l'eau. Bois de l'eau et ensuite donne-moi le verre. Attends. Le tout. Hé. Allez. C'est bien, ma jolie. Va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. Désolé, monsieur. Gérant ! Tu as envie de pleurer ? Pleure dans ce verre. Désolé, monsieur. Tu n'as pas pu servir les boissons. Au moins, sers-nous. Proprement avec les larmes de ton corps.
Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Géant ! Désolé, monsieur. Attends. Attends, on va faire ceci. 500 roupies de pourboire. Pour chaque goutte que tu vas verser. Ok ? Et le chrono est en marche. Maintenant ! Bien, continue. Ah ! Essuie pas tes larmes. La valeur va baisser. Continue. Maintenant, arrête. Prends ton argent, allez. Ah oui, tu as dit une citation très intéressante, ma belle. Tu disais... C'était quoi ? Les émotions ne peuvent être achetées. Waouh ! Sais-tu ce qu'il y a dans ce verre ? Ces mêmes sentiments. Ne te l'avais-je pas dit, ma belle ? JD peut absolument tout acheter. Richa! Voici Anne. Salut. Enchantée. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Si ce que tu as entendu vient de lui, ça doit sûrement être faux. Ça, je peux te le garantir. Très drôle. On y va ? Mon père doit être à l'intérieur. Attends. Il est là ? Ouais, bien sûr, je vais te le présenter. À présent, à toi de pleurer. Et attends. Ne fais pas couler ces larmes si vite. Il n'y a pas encore de prix. Elles n'ont même pas de prix. Attends un moment. Je vais me rafraîchir, ok ? En attendant, réfléchis. Estime le prix de tes larmes. Eh oui, ma belle. Si possible, fais-moi une belle remise. Je reviens. Plutôt sympa, hey, ici. Sympa ici. Les filles sont chaudes bouillantes. J'y crois pas. Même avec Richa dans les parages. Relax. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Non, bébé, c'est sympa, hein. Ouais. Mais où est papa? Il devrait être là. C'est sympa ici. Les filles sont chaudes bouillantes. J'y crois pas. Même avec Richa dans les parages. Relax. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Non, bébé, c'est sympa, hein. Ouais. Mais où est papa? Il devrait être là.
Allez, venez. Ok, on y va. Je vais regarder de ce côté. Anne, on a trouvé une table. Ça va, madame. Je suis vraiment désolée. Ne prenez pas ces mots en considération. Je vous assure que vous faites du très bon travail. Et vous servez les repas à la perfection. Le repas était très bon. Monsieur, un souci ? Madame, votre facture, réglez-la, je vous prie. Juste, attendez qu'il revienne. Il réglera la note. Celui avec qui vous étiez ? Oui. Il est déjà parti. Quoi ? Il est parti ? Ne faites pas l'ignorante. C'est lui qui doit régler, c'est ça ? Vous n'avez pas d'argent ? Mais... C'est la vérité. Dépêchez-vous. Nous ne laissons jamais entrer les filles comme toi ici. J'ignore qui l'a fait. Que voulez-vous insinuer ? Je parle des filles qui sortent avec les hommes plus vieux juste pour leur argent. Et pour se faire entretenir. Écoutez, ne me parlez pas de cette façon, s'il vous plaît. Je vais l'appeler. Le serveur maîtrise très bien son travail, ma chérie. Que croyais-tu ? Désolée, ma princesse. Alors, le tombeur, t'es en train de rêver ou quoi ? Hein ? J'ai le sentiment qu'elle est... qu'elle est quelque part toute proche d'ici. Qui ? Pangti. Pangti ? Bébé, son sixième sens est super bon. Tu ressens pas la même chose que lui quand je suis pas loin ? Évidemment, quand je me rends compte que toutes les filles qui sont là partent en courant. Il ne décroche pas ? Il rappellera certainement. C'est ça, hein ? C'est ce que vous voulez me dire, n'est-ce pas ? Écoutez,
En fait, je... Mon sac... Avez-vous de l'argent? Suivez-moi en cuisine. Vous ferez la vaisselle. Écoutez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Vous préférez la police ou la cuisine? Je vous donne juste 2 minutes. Allô? C'est fait, monsieur. Qui va m'aider? Et toi? Moi? Excuse-moi, c'est pas toi qui étais à Ma Baléchoire et qui a pas fini ton concert? Hein, c'est toi, hein? Tu voudrais pas le finir maintenant? Allez, s'il te plaît. Allez! Allez, viens! Tu devrais y aller, Anne, vas-y! Allez! Ouais, allez, viens! Okay. Allez, viens! Super, viens! Je n'ai pas terminé la dernière fois, ne le sera pas non plus aujourd'hui, car celle pour qui je l'ai écrite n'est pas dans cette salle ce soir. Mais je vais chanter une autre chanson et prier pour qu'elle puisse entendre ma voix, peu importe où elle se trouve. Excusez-moi, où est la cuisine ? Pankti, écoute, s'il te plaît, ne t'en va pas. Alors comme ça, elle était là? Je ne veux pas te parler, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Pankti, tu me reconnais pas? C'est Anne. Du calme. Je te l'ai dit, je ne veux pas te parler. S'il te plaît, cesse de me suivre, va-t'en. Pourquoi est-ce que tu as si peur? Ne suis pas. Ne t'approche pas de moi. Pankti. Je ne veux pas t'adresser la parole. Pankti, écoute-moi. Non, reste loin de moi. Mais pourquoi, Pankti? Écoute-moi. Ne m'appelle pas. Ça va? Est-ce que tu pas t'es fait mal? Pas du tout. Ne t'approche pas. Je ne veux pas te parler, s'il te plaît. Pankti. Frangin. Où est-ce que tu vas? Laisse-la, elle est en train de paniquer. Pourquoi est-ce qu'elle panique? Pourquoi est-ce qu'elle a peur de moi? Excusez-moi. Désolé, monsieur. Désolé, les gars. Qui a-t-il? Cette fille-là. Est-ce qu'elle vient souvent ici? Est-ce qu'elle était seule ou accompagnée? Non, c'est la première fois. S'il vous plaît, continuez à vous amuser. DJ, jouez de la musique. C'est la même Pankti. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Si tu te mettais à vivre de l'argent d'un homme très riche, pas vrai? Tu me reconnais pas? C'est Anne. Ne me suis pas. Ne t'approche pas de moi.
devrais pas te déplacer toute seule. C'est bien. Ça, c'est une invitation alléchante, très alléchante. Les flics sont là. Allez, faut se tirer maintenant. Vite, on se barre. Sympathiser avec quelqu'un a un prix, ma chérie. Tu voulais de la sympathie après ça? Monsieur Giant m'a tout raconté. Est-ce que c'est une façon de se comporter? Dépêche-toi de rentrer. Tu voulais que je sois le méchant, n'est-ce pas? Eh bien, j'y ai réfléchi. Laisse-moi te montrer mon vrai visage. Ma chérie. Quand est-ce que cette fille comprendra? Je suis un homme très riche, Pankti. Alexei. Je peux totalement tout acheter avec mon argent. J'achète tout. Comme je t'ai acheté. Je crois qu'Anita ne t'a pas enseigné les règles de base. Quand quelqu'un s'adresse à toi, tu dois le regarder dans les yeux. Merci. Personne ne t'a forcé la main dans ce deal. C'est ma satisfaction et ta vulnérabilité. Si quelqu'un veut me tromper dans ce deal, sois-en sûr. Je ne pourrai le tolérer, Pankti. J'ai payé le prix pour mon plaisir. Alors tu te dois de m'obéir. Entièrement. Pas à moitié. Pourquoi tout ça est dramatique, Pankti? D'abord dans la maison, ensuite en route, tu as mangé de la glace pour tomber malade. Après l'hôpital, je t'ai aussi autorisé à aller à Mahabaleshwar. Tout ça toute seule.
Pour couronner le tout, tu es toujours amorphe. Amorphe, triste et distraite. Pourquoi, Pankti? Pourquoi? Ça fait déjà un an que tout cela dure. Et durant ces un an, tout ce que j'ai reçu de toi, c'est ta ténacité. J'ai vu ton irritation, ta peur. J'en ai assez! Parce que je veux que tu sois mienne. J'ai commencé à t'aimer. Et mon cœur veut tout simplement être entretenu par toi. Si ce cœur n'est pas satisfait, alors... Écoute, Pankti, la situation est simple. Tu es mienne. Tu seras heureuse avec l'argent et moi je le serai avec toi. Mais si tu te rebelles contre moi, si tu me trompes, si tu t'assois dans la chambre comme un mur de glace et si tu essaies un seul instant de m'abandonner, je n'ai pas besoin de donner plus de détails. Tu le sais très bien. Je te tuerai. Pas seulement toi, mais toute ta famille.